Voilà notre, nos invités, nos intervenants. Euh, Joël Proin, prenez la parole, s'il vous plaît, puisqu'on écoutait il y a quelques instants avec beaucoup d'intérêt Eric Lombard euh, prendre la parole, nous parler de la Caisse des dépôts comme un gestionnaire euh, d'actifs euh, ESG, gestionnaire d'actifs euh, responsable. On va rentrer dans le détail. En quoi la, la Caisse des dépôts, euh, justement, est un investisseur institutionnel public de premier rang, gestionnaire d'actifs 100% responsable C'est quoi vos modalités vos leviers d'intervention. Eric Lombard nous parlait justement ben de, voilà, du rôle de l'actionnariat que vous avez et la façon dont vous, vous exprimez. Alors peut-être pas bruyamment, mais de façon en tout cas avec beaucoup d'engagement euh, partout où vous vous trouvez. Alors euh, je vais prendre trois P. Oui. Le premier, c'est les principes. Alors euh, Eric Lombard, notre directeur général a déjà touché ce point, mais il faut bien voir que la loi donne mission à la Caisse des dépôts de contribuer à l'intérêt général et au développement économique du pays. Et donc, la conséquence qui nous semble naturelle de cette mission qui est donnée à l'établissement public Caisse des dépôts, c'est d'être un investisseur responsable. Et cela, la Caisse des dépôts l'est depuis longtemps et les de façon très profonde, très endogénéisée si je puis dire. Alors euh, euh, nous allons parler des PRI en 2006, la caisse des dépôts a fait partie de la vingtaine d'investisseurs mondiaux qui Alors, ont fondé PRI. les PRI. En 2015, avant la COP 21 à Paris, le premier Climate Finance Day, la caisse des dépôts a fait parmi les premières annonces en 2019, lancement de la Net Zero Asset Honor Alliance, la Caisse des dépôts était membre fondateur en France de cette alliance. Vous n'avez pas à rougir, donc. Non, voilà. on n'a pas rougir. Non. Et Et Vous n'avez pas pris le train en marche. Exactement. Hum. Et juste, euh, quand pensez-vous que CDC Biodiversité a été fondée 2007. Voilà. Donc, on parle aujourd'hui beaucoup en 2023 de la biodiversité. La Caisse des dépôts a créé une filiale dédiée à ce sujet il y a 16 ans de cela. Donc, tout ça pour dire que nous ne sommes absolument pas des convertis de la dernière heure et que nous avons des principes qui sont très importants. Alors, ça, c'est le premier P. C'est le premier P. Le deuxième P, c'est les particularités. Parce que ces sujets ESG, ces sujets d'investisseurs responsables, ils sont très multiformes. Et vouloir. Résumer, vouloir concentrer en un seul sujet, un seul indicateur valable partout et en tout temps et en tout lieu, n'est pas forcément la bonne approche. Parce que les enjeux spécifiques du logement pour notre portefeuille immobilier ne sont pas les mêmes que les enjeux d'un secteur comme l'énergie pour nos participations en actions cotées ou en obligations crédit, ne sont pas les mêmes enjeux que quand nous faisons de la gestion déléguée, etc. Et donc, euh, ce que nous observons, c'est la démultiplication des sujets. Euh, nous allons parler de la biodiversité, cinq pressions. Et les pressions ne sont pas les mêmes pour chacune des entreprises, etc. Et donc, il est nécessaire de prendre en compte ces particularités. Euh, et donc, d'avoir une approche qui soit fine pour chacun des sujets, pour chacune des classes d'actifs, pour chacun des secteurs, j'oserais même dire pour chacune des entreprises que nous connaissons bien à la Caisse des dépôts, parce que nous sommes investisseurs voilà, en Vous adaptez quelque part. Hein. Exactement. Vous, vous coller, euh, évidemment, à chacun des fait. dossiers. Alors on a les principes. Et, voilà. Et le troisième P, c'est voilà. les personnes. Personne. Parce que finalement, ce sont les personnes qui mettent en œuvre cela. Et à la Caisse des dépôts, nous gérons plus de 95% de nos actifs en direct. Nous avons des gérants qui sont des gérants analystes, financiers et extra-financiers, et donc qui, depuis des années, par exemple, de façon très concrète, dans leur rémunération variable, ont un élément directement lié à l'investissement responsable. Nous avons euh, des personnes qui sont convaincues, et en plus je dirais que euh, ce qui me frappe de plus en plus, c'est qu'un des facteurs d'attractivité de la Caisse des dépôts, c'est justement euh, cette capacité à porter ce discours-là. Et ce discours hypercole, en particulier vis-à-vis -vis des jeunes. Et donc, euh, la Caisse des dépôts n'est pas l'établissement représenté dans cette salle qui paye peut-être le plus, mais c'est un établissement qui est convaincu. Et ça, c'est une vraie valeur pour les personnes qui nous rejoignent et qui contribuent à ce projet commun. Alors, les personnes, les particularités, les principes. Euh, Je voudrais qu'on rentre un peu dans les, dans les coulisses, quelque part, puisqu'on est au cœur de cette mmh. pro problématique autour de l'actionnariat, justement, l'engagement actionnarial. Oui. Euh, tout à l'heure, euh, Eric Lombard évoquait un certain nombre de, voilà, de, de, de principes, en disant, voilà, sur les autoroutes, les bretelles d'autoroutes, on va regarder. Concrètement, qu'est-ce que vous faites Comment, comment est-ce que vous faites entendre, concrètement, quels arguments vous mettez, justement, face à des projets d'investissement alors, souvent, on peut dire que l'engagement actionnarial, eh bien, finalement, c'est facile, c'est ouais. un petit peu du gloubi-glouba et qu'on ne sait pas bien ce qu'il y a derrière. Alors, la Caisse des dépôts est quand même dans une position très privilégiée puisque nous sommes un actionnaire à long terme des entreprises. Nous gardons une exposition en action et en obligation crédit aussi, mais surtout en action qui est nettement supérieure à celle d'autres investisseurs institutionnels français. Et donc, le fait d'être un actionnaire à long terme, de revoir trimestre après trimestre, année après année, les entreprises, de pouvoir avoir ce dialogue au travers de ce qu'on appelle des one-ones, c'est-à-dire des réunions où il y a le directeur général, le directeur financier, le gérant en charge et puis une autre personne de la gestion, donc à quatre dans une salle fermée, on peut dire des choses, on peut challenger. On peut revenir trimestre après trimestre sur des sujets. On apprend ce qu'on à voilà. progresser mmh. ensemble. À progresser ensemble et, progresser mmh. ensemble, et on peut passer, poser aussi les questions qui ah, fâchent là, là, là. parce qu'on sait que ça restera dans ce cercle-là. Et on peut aussi mesurer les avancées mmh. et il y en a fort heureusement. Et donc pour que cette politique d'engagement soit efficace, il faut qu'elle soit structurée. C'est ce que nous faisons aussi. Alors nous la structurons de différentes manières, soit de façon thématique. Par exemple, nous allons nous intéresser au thème de la corruption. Et nous allons regarder les entreprises qui sont peut-être les plus susceptibles d'être regardées sous cet angle-là, donc de façon transversale. Nous allons regarder peut-être un secteur en particulier, le secteur de la construction, par exemple. Et les questions sociales, les enjeux sociaux de ce secteur. Et donc là, nous allons interroger les entreprises successivement et regarder un petit peu et les challenger aussi les unes par rapport aux autres, sans citer les noms bien entendu, mais on peut dire, ben voilà, une autre entreprise nous a dit qu'elle faisait ça. Pourquoi vous ne le faites pas, etc. Et donc euh, challenger. Et donc ce... ça, ça oblige, pardon, Joël, mais ça oblige quand même à être. Enfin, j'en parlerai tout à l'heure avec Antoine Vallier, à être quand même de plus en plus. Spécialisés justement tout sur ces domaines. Enfin, pardon, mais on parle de corruption, on va parler de biodiversité euh, tout à l'heure et on l'abordait euh, euh, tout à l'heure aussi avec Éric euh, avec Lombard. Voilà, tous ces, toutes ces questions deviennent de plus en plus aiguës. Et c'est bien pour cela que les, comment on voilà. les équipes de gestion ont l'appui d'un service investissement responsable auquel contribue Antoine et qui euh, apporte un appui. Spécialisé sur tel et tel sujet à l'ensemble des gérants. Parce qu'un gérant qui est, spécial, qui, est, qui est dédié à un secteur économique particulier ne peut pas être à la fois spécialiste de la biodiversité, du climat, euh, du social, de la gouvernance, de l'éthique des affaires ou que sais-je. Donc heureusement, euh, ces entretiens sont préparés et sont parfois conduits avec euh, les spécialistes qui sont dans ce service investissement responsable et qui déclinent la politique de l'ensemble du groupe Caisse des dépôts élaboré au, dans le cadre de la direction des finances et du, et du développement durable euh, qu'évoquait Eric Lambart tout à l'heure, et qui le décline au niveau de la direction des gestions d'actifs. Et parfois, on se heurte quand même à des incompréhensions lorsque oui. l'actionnaire que vous êtes vous dit « ça, je ne sens pas bien, ça, il faudrait revoir votre copie ». Voilà, euh, on ne vous regarde plus de la même façon Oui, et puis ouais. parfois, on nous sert une langue de bois épaisse comme ça. Donc, euh, Mais si vous dites, euh, non, il ne faut si, pas me la faire. Voilà. Ouais, bah, <laughs> si alors, on nous la sert trop souvent, après, nous luttons ouais. avec nos pieds et ouais. malheureusement, nous désinvestissons. Mais pour moi, c'est un échec parce que ah, nous ah, préférons ah. accompagner le changement des entreprises Attention. plutôt que de, de sortir. Mais euh, c'est la mesure ultime. Pareil aussi quand il y a une controverse euh, sur laquelle nous trouvons euh, que les réponses apportées ne sont pas convaincantes. Ouais. Il y a justement un cas concret, Jacques Molgaud, donc euh, Air Liquide, euh, justement. C'est quoi votre expérience du dialogue actionnarial alors bonne question et, et, et je, ces mots résonnent tout à fait. Heureusement, euh, alors pour resituer un petit peu ce qu'Air Liquide a lancé et, et c'est pareil, ça ne date pas d'il y a quelques mois. Euh, je crois que la meilleure preuve ou le, ou le fait qu'il va résonner beaucoup aujourd'hui, c'est notre plan stratégique Advance qui mêle performance financière et extra-financière. Donc, ça, c'est un plan 2025. C'est le résultat de pas mal d'années de travail sur le sujet, sur les sujets, hein, puisqu'effectivement, on ne parle pas que de climat, on parle de pollution, on parle d'économie circulaire, on parle de biodiversité, on parle de beaucoup de choses à la fois. Et aujourd'hui, même un financier arrive à en parler, Donc, ce qui est déjà un grand changement, je crois, par rapport à il y a quelques années. Donc, nous, on a pris des engagements. Euh, euh, assez fort, hein, puisque dans notre secteur, on est euh, l'entreprise qui a annoncé euh, le, la première, euh, et puis elle reste un peu seule sur un certain nombre d'engagements. Euh, donc on avait travaillé sur un concept d'intensité carbone, avec une référence à, à l'EBITDA. On est allé plus loin l'année dernière, euh, en visant une décroissance en, en absolu de nos émissions. Euh, une réduction de 33% d'ici euh, 2035 euh, de nos émissions pour aller vers 2050, euh, vers un zéro en 2050. Donc ça c'est sur le pilier euh, E hein, euh, sur la partie sociale ou sociétale euh, et, et là encore on peut, on peut faire rejoindre euh, finance et développement durable moi j'ai rejoint le groupe il y, a, il y a 11 ans et en 2012 euh, on a lancé la première émission ISR donc euh, pour, le, pour notre, dove, notre développement dans, le, dans la santé à domicile, on, 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 on s'est dit que les conditions étaient bien réunies pour, pour lancer ce type d'obligation. Donc, c'était plutôt social. Euh, on a continué en 2018 avec euh, une ligne, une facilité de crédit indexée avec trois indicateurs ESG et puis avec un, une obligation verte l'année dernière. Euh, et, et nos actionnaires nous le demandent. Alors, ce, hum. justement, voilà. Ouais, c est, c est que, que, est, dans ce que vous avez décidé, quelle est la part de ce qu'on quelque part, provoqué les points sur lesquels ont insisté mmh. les, les actionnaires Alors, moi, je, je disais tout à l'heure que ce qui m'avait étonné quand j'avais rejoint le groupe, euh, c'était en roadshow, la directrice financière de l'époque, euh, aujourd'hui DGA. Qui n'a pas pu venir malheureusement aujourd'hui, ce qui explique le score diversité de ce soir. Euh, ce qui m'avait étonné, c'est la part qu'elle consacrait à ces sujets-là, et, et puis avec des investisseurs qui ne le demandaient même pas, qui avaient tendance à dire Ouais, ok, mais c'est quoi la performance financière euh, ah, il donc, la question. Voilà. Donc, donc <laughs> voilà, on, on nous a euh, des grandes maisons qui sont, qui sont intéressées à ces thèmes, dont la caisse nous ont évidemment poussé à euh, aller plus loin sur, euh, sur ces sujets ESG, euh, mais aussi nos investisseurs individuels. Hein. Une des particularités d'Air Liquide, euh, c'est qu'on a plus d'un tiers de nos investisseurs qui sont des individuels. Hein. Euh, et comme on veut rajeunir ou continuer d'avoir des nouveaux entrants dans nos actionnaires, euh, on, on écoute ces actionnaires. Hein. Donc on, on a... Euh, on a pas mal de sessions, on a un service qui est dédié à ça pour justement écouter non, non seulement les institutionnels, mais aussi les individuels et euh, les jeunes en particulier euh, se retrouvent et, et cherchent beaucoup le, du sens et on trouve beaucoup de sens dans tout ça. C'est-à-dire comment ça se passe concrètement Bon, il y a les assemblées générales une fois par an, très bien. Mais comment est-ce que vous êtes en contact avec les actionnaires Comment ce dialogue actionnarial il se noue justement en direction justement et eh bien de tous ces investissements euh, durables. Comment ces jeunes, ces jeunes investisseurs, vous les rencontrez Comment est-ce qu'ils vous parlent là Alors, sur, sur la partie classique, donc on a effectivement beaucoup de beaucoup de one on one ou des group meetings mmh. euh, quand, quand on voit les investisseurs euh, institutionnels. Pour les investisseurs individuels, on a des comités pour les écouter et agir. Donc euh, je crois, je crois que c'est ça qui me plaît aujourd'hui dans l'entreprise dans laquelle je travaille, hein, c'est qu'il euh, y a une écoute et puis il y a une réaction, il y a des décisions, il y a des changements de stratégie, il euh, y a des outils à mettre en place. Hein. On, on demande beaucoup à la finance euh, depuis peu. Euh, c'est très complexe, hein, on parlait de taxonomie tout à l'heure, hein, pour arriver à sortir des chiffres dans une multinationale qui est dans 75 pays et qui a plusieurs business. C'est un travail colossal. Pas sûr, pas sûr. Euh, mais mais y a une, y a une, on, on peut parler de rupture ou pas, quelque part, dans le, la façon d'interagir entre les actionnaires et, et, et les entreprises Quand je dis rupture, plus ou moins euh, brutale, hein, plus ou moins forte. Alors, le cas d'air liquide est peut-être un peu atypique, parce qu'on a plus de 100 ans, qu'il y, euh, y a une histoire individuelle forte. Et manifestement, euh, vous étiez précurseur, parce que vous aviez pris on, le. On a un voilà. service qui est dédié à ça, on a des gens qui répondent euh, aux questions, on, on a. Pendant l'AG, où il y a 3, 4, 5 000 personnes, il y a beaucoup de questions et a évidemment beaucoup de questions sur ces sujets-là. Il, il y a vraiment une pression, justement, sur toutes les questions oui, de développement durable. Oui, c'est ouais. clair. Hein. On, on, on est à énergivore, ouais. hein. euh, mais on a aussi des réponses technologiques et des opportunités qui viennent de ça. Donc, c'est le sujet. Euh, et encore une fois, pas circonscrit au climat. Il y a eu un gros accent, parce qu'il fallait bien commencer par un, par un des piliers. Il y a un gros accent sur le climat, même du régulateur. On, on le voit sur la taxonomie. Mais il y a d'autres phases qui arrivent et, et pour lesquelles il y a un vrai challenge pour y répondre. Juste, juste un mot, Joël, et puis j'aurai la parole juste après à Christophe Deldic. Euh, le groupe Caisse des dépôts est actionnaire de Air Liquide le groupe Caisse des dépôts est présent dans le, au capital d'un certain, certain nombre, nombre de grands nombre, nombre certain de grands groupes de français. Grands groupes. Non, ouais. mais là, parlons concrètement d'Air Liquide. Euh, quel regard vous portez justement sur ce discours que tenait Jacques il y a quelques instants C'est vrai que ce que l'on constate, c'est qu'il y a des leaders et des followers, pour parler un bon français. Et il euh, y a, comme le disait Jacques, il y a des groupes avec lesquels le dialogue existe depuis longtemps... Et qui euh, souhaitent euh, avancer et rester un voilà. peu en, en tête, euh, en tête de lignée. Et donc, c'est vrai que là, le dialogue est de qualité. Euh, et Mais alors, c'est d'avancer plus rugueux. Qu'est-ce que vous dites? Parfois, parfois c'est nettement plus rugueux, oui, euh, et puis ça peut parfois ne pas se, se concrétiser, comme je le disais. Et ça passe par les wawan ça passe aussi par les, les votes aux Assemblées Générales. Euh, Eric rappelait tout à l'heure qu'il y a quand même un quart des votes contre, donc c'est quand même pas négligeable. Et entre autres, sur ces sujets-là, pour prendre qu'un exemple, une des raisons qui nous conduit à voter euh, contre, c'est assez souvent le fait que le facteur... RSE ou ESG dans la rémunération des dirigeants est insuffisant, insuffisant que ce soit en pourcentage, que ce soit en euh, ambition des cibles. Et, et donc, euh, nous marquons notre désaccord et aussi nous le disons à l'entreprise, puisque nous avons aussi, euh, pas simplement, nous, nous votons juste pas simplement, mais nous entretenons ce dialogue sur pourquoi nous avons voté contre et qu'est-ce que nous aimerions oui, voir. C'est juste. Euh, voilà, contre ça, ça. Et après, il y a un travail de reconstruction. Exactement. Et pour dire, bah, écoutez, là, là, on a été obligé de voter contre parce que vous étiez à 10 essayez de passer à 20 et puis l'année prochaine, nous, 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 nous serons pour. Christophe Deldic, gros plan sur le, le non-côté. Avec vous, donc Christophe Deldic à la tête de Turenne. Vous êtes l'un des partenaires de la CDC, de France Assureur aussi dans la réactivation des fonds NOV au travers du programme Relance Durable France qui vise à renforcer les fonds propres des PME, des ETI. Rappelez-nous le contexte, votre action concrètement et en quoi vous êtes très concerné par ce qui concerne l'ESG. Euh, ben bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Quelques mots sur euh, Turenne. C'est une société de gestion indépendante qui appartient à l'ensemble de ses collaborateurs. Aujourd'hui, on est 80 salariés chez Turenne et 100% du capital de cette société de gestion est détenu par 100% des collaborateurs. Donc, euh, c'est déjà une, une particularité assez forte dans, dans notre secteur. On gère à peu près aujourd'hui 1,5 milliard euh, avec euh, 7 implantations en France. Donc, euh, une vraie préoccupation d'être présent dans les territoires. Sur nos 80 collaborateurs, 60 sont des investisseurs, dont plus de la moitié dans les régions, voilà, de Lille à Marseille, avec une vraie préoccupation de financer essentiellement les PME, les start-up et des ETI régionales, donc des jeunes start-up jusqu'à des ETI familiales centenaires. Et aujourd'hui, on accompagne à peu près 210 sociétés en France. Voilà. Dans ce cadre-là, en effet, quand il y a eu un appel d'offres qui a été lancé pour la gestion du fonds Nov Relance Impact, lancé à l'initiative de la, de, de la Caisse des dépôts, on a postulé en se disant finalement dans le cahier des charges qui était donné, c'était post-Covid, contribuer au financement des PME, des ETI dans les territoires, donc pas en Ile-de-France en majorité, et en faisant la promotion avant tout des critères ESG, mais avec un vrai focus sur l'actionnariat salarié et le partage de la création de valeur au profit de l'ensemble des salariés comme on avait une certaine légitimité sur notre implantation dans les territoires et notre actionnariat salarié qui nous rend plus légitimes que d'autres pour parler aux dirigeants de la mise en œuvre de l'actionnariat salarié, du partage, de la création de valeur, nous avons candidaté et nous avons gagné la gestion de ce fonds. Ce qui est particulier, euh, je mettrai le focus sur un, un point, c'est ce que j'ai trouvé très original, c'est que d'habitude dans les fonds d'investissement non cotés, on a un comité d'investissement consultatif qui réunit les souscripteurs et qui donne un avis sur la valorisation, le montage. Là, pas du tout. On a un comité d'investissement sur les critères d'impact. Donc sur chaque prise de participation, avec les dirigeants, nous définissons des objectifs ESG. Il y a toujours un critère environnemental, un critère sur le l'actionnaire salarié ou le partage de la création de valeur et un autre critère qui peut être la mixité d'un codir des objectifs voilà autres et c'est ces critères que nous devons faire valider par le comité d'investissement voilà. donc qui réunit des souscripteurs et des membres indépendants et, et donc ces critères entre guillemets s'imposent à nous et aux dirigeants des participations que nous allons accompagner sinon vous n'y allez pas Sinon on n'y va pas, euh, ou sinon bah oui on n'y va pas. Donc nous il y a, je vais reprendre l'analogie des P, nous on a un P, c'est la pédagogie. La pédagogie avant de prendre une participation, c'est auprès des dirigeants sur lui faire valider les critères d'impact, puisque c'est un engagement qu'il va prendre à nos côtés et qui va être gravé dans le pacte d'actionnaire. Donc dans notre accompagnement. Qui est en moyenne de 5 à 7 ans, donc on est quand même sur du temps long, qu'on soit minoritaire, et on est dans la majorité des cas minoritaire à côté des dirigeants, propriétaires ou des équipes de management. Il y a un engagement très fort qui est porté sur la mise en œuvre de ces critères d'impact. Donc, euh, voilà. Et donc, cette pédagogie, en fait, moi, mon témoignage vis-à-vis -vis de vous aujourd'hui, c'est de dire sur les enjeux climatiques, on en parlait avec Annie tout à l'heure sur l'ESG, je pense qu'aujourd'hui, aucun dirigeant ne peut tenir un discours en disant qu'il n'y a pas de sujet. Donc, le sujet, c'est le comment et comment on le finance. Parce que tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Mais ça prend y du a temps, pas, ça prend de l'argent. Voilà, il n'y a, a pas de remise en cause sur la nécessité qu'il faut décarboner et que donc, tout ça, ça nécessite des investissements. Le sujet, c'est comment on finance. Moi, je constate que beaucoup de dirigeants refusent oui. d'être dilués aujourd'hui au capital pour le financement de la décarbonation. Donc, ça doit nous interpeller sur l'ensemble des outils de futur qu'on doit mettre en œuvre pour financer ces sujets de décarbonation. Par contre, tous les dirigeants partagent le point de vue. Là où on a encore beaucoup de pédagogie à faire, c'est sur le partage de la création de valeur et l'actionnaire à salarié. Parce que ça reste très contre-intuitif pour beaucoup de dirigeants. Et, et pareil sur le sujet de, de la mixité qui nous est, est chère chez, chez Turenne. Donc là, on a encore beaucoup d'idées reçues contre lesquelles il faut se battre. Et, et en fait, c'est plutôt ça, en fait aujourd'hui, nos sujets pour déployer ce fonds, c'est faire adhérer les dirigeants que... Partager la création de valeur ou favoriser la mise en place d'un actionnariat élargi, ça favorise la création de valeur des projets futurs. Et quels arguments vous, vous, vous déployez justement Comment Pourquoi il y a ces blocages encore C'est sur le savoir-faire Non, d'abord sur la méconnaissance. Ah. L'actionnariat salarié, c'est quelque chose qui aujourd'hui en France reste très méconnu. Bon, je ne vais pas me lancer sur le sujet d'actualité, sur le dividende salarié. Je pense qu'on peut tous lire dans les journaux que voilà. J'aime mettre dividende des salariés, enfin, c'est une illustration, je pense, un peu des, des sujets contre-intuitifs sur la mise en place de l'actionnariat salarié. Donc une méconnaissance et de beaucoup de dirigeants, et nous, c'est ça que je trouve assez aussi intéressant, c'est que beaucoup de dirigeants d'entreprises PME, dans les, dans, les, dans les PME familiales, dans les territoires... De petite taille, se disent finalement Bon, je ne vais pas transmettre à mes enfants parce qu'ils n'ont pas l'envie ou la capacité. Et j'ai pas envie de vendre à un concurrent contre qui je me suis battu pendant 20 ans. Bon. Et donc, ils se disent C'est quand même dommage parce que j'ai fait venir des talents autour de moi et je n'imagine pas possible qu'ils puissent acheter ma société, parce que ma société, elle a quand même une certaine valeur. Elle gagne de l'argent. Voilà. Et eux, ils n'ont pas d'argent ou pas suffisamment d'argent. Et donc, comment je peux Et donc, la pédagogie, c'est de dire grâce à un partenaire, un actionnaire professionnel à vos côtés, qui peut rester sur du temps long, qui va faire favoriser l'intégration de tous les salariés au capital, alors pas forcément de manière égalitaire, hein, mais on peut préparer sur 5 à 10 ans, avec la poursuite de l'accompagnement du dirigeant propriétaire, une transmission en interne. Et en dehors que de schéma traditionnel de LBO qui se font sur 5 ans, on peut prévoir sur un programme à 10 ans. Donc là, il y a une vraie méconnaissance. Donc il reste beaucoup de pédagogie à faire parce que beaucoup de dirigeants, un, imaginent que ce n'est pas possible. Donc on doit leur expliquer que c'est possible. Et après, la meilleure pédagogie, c'est par d'autres dirigeants qu'on a accompagnés, donc des histoires du capital investissement en France dans les PME et qui viennent expliquer à leurs père que finalement ouvrir le capital c'est pas mal, ça permet d'accélérer, de favoriser la croissance, de la financer de manière plus sereine avec des fonds propres et pas que de la dette et qu'on peut préparer une belle histoire de transmission en étant accompagné par des actionnaires professionnels. Et ouvrir ça, son capital, tout ça c'est vertueux, il y en a pas voilà. sur le terrain. Ouvrir son capital ne signifie pas d'un engagement de vendre sa société à terme à l'horizon d'accompagnement, on peut remplacer un actionnaire par un autre actionnaire professionnel et continuer l'histoire de croissance de la société. Donc le non-côté, c'est une forme d'engagement quelque part Oui, je pense que le non-côté, bah, en nombre de sociétés accompagnées dans les territoires, c'est quand même là que ça se joue. Euh, on a des histoires sympathiques. Hein. Je... Donnez-nous un ou deux exemples justement. Ouais, je vais vous donner deux participations je vous dis, Voilà, du, du Des retours d'expérience. Une euh, relance impact, euh, une qui est assez récente sur l'année 2022, qui est... Euh, on a entre guillemets renationalisé Mousseline, oui, Mousseline ah bah oui, qui est une sûr. marque que, que tout le monde connaît. C'était Nestlé, non, autrefois purée déshydratée, ouais, qui ouais. appartenait à Nestlé, trop petit pour rester euh, dans le giron de Nestlé, euh, pas un actif stratégique, trop national. Et donc on s'est positionné, et je pense que vis-à-vis de -vis Nestlé, on a eu une écoute parce que justement on incarnait des souscripteurs. Euh, préoccupé par l'investissement durable, le territoire puisque c'est une cité qui est implantée dans la région de France. Là où, oui, dans en Picardie, la salle, où, euh, dans le laine, et 85 de ses fournisseurs sont à moins de 50 km, donc produit euh, de pommes de terre en Picardie, un outil industriel qui était complètement aux normes sur les sujets environnementaux, on a une chaudière biomasse, enfin, pas, pas, de, pas de problématique d'émission carbone, mais une vraie problématique de remettre euh, dans le territoire et avec euh, enfin renationaliser, entre guillemets remettre avec des souscripteurs français un outil industriel avec une marque connue, une ETI, 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, qu'emploie plus de 100 personnes sur un territoire qui n'est pas riche en industrie. Donc, pas... Et, et aujourd'hui, ce qui est assez euh, positif pour nous, c'est que non seulement le nouveau management euh, a fait passer aux salariés que ce changement actionnarial... Avec des fonds. Au début, les salariés ils ont peur. Hein. Quand on leur dit fonds d'investissement, ah bah ça fait partie des gros, gros mots euh, en France. Hein, bah voilà, finalement, malheureusement. Euh, en faisant la pédagogie toujours, on leur montre qu'on est là pour du temps long et qu'on les fait monter au capital avec nous. Donc, on a fait deux choses. Au-delà des investissements de l'outil industriel et des engagements sur euh, d'avoir l'ensemble des sach sachets euh, qui puissent être recyclables à horizon 50, euh, qui est un engagement en titre de ESG porté par l'ensemble des équipes. On a mis en place un, au titre de la loi PAC le partage de la plus-value. Donc il y a un bout de la plus-value qui ira à l'ensemble des salariés de manière uniforme. Et les salariés aujourd'hui nous demandent d'aller plus loin et non seulement d'avoir le partage de la plus-value, de pouvoir être actionnaires en direct de la société. Donc comme quoi quand on fait la pédagogie, ça marche. Et un deuxième exemple rapide. On est aussi actionnaire du premier réseau libraire indépendant français qui s'appelle Nosoli, qui rassemble ah oui. furets du nord, et dans le nord, et deux sites à, à Lyon. Donc là, on a 750 salariés, donc distributeurs de produits culturels des libraires, et on s'est lancé dans le chantier de faire des libraires actionnaires de leur propre réseau de distribution donc à travers la création d'un FCPE, donc c'est assez lourd, on fait beaucoup de pédagogie, puisque les libraires ne sont pas non plus des gens forcément habitués au, au, au sujet des fonds d'investissement. Et on a pour ambition, d'ici l'année 2023, que ce groupe devienne une entreprise à mission pour, et ce qui est partagé par l'ensemble des collaborateurs, de réduire de 30% ses empreintes carbone et des sujets sur tous les retours des livres, les derniers kilomètres. Et enfin, de créer ce fameux FCPE qui va rassembler ouais, l'ensemble ouais, des librairies au capital. Donc, voilà, donc, on est un outil qui contribue dans les territoires à faire accepter euh, l'actionnariat salarié comme outil de développement et de transmission, mais ça nécessite beaucoup de pédagogie. Voilà. Antoine, Antoine Vallier, euh, expert, euh, je le disais donc euh, tout à l'heure, expert empreinte. Euh, Qu'est-ce qu'on entend par engagement actionnarial C'est quoi un investisseur responsable Bonjour à tous. Pour l'investissement responsable, je, mon témoignage aujourd'hui sera autour de, de, du rôle que peut avoir un investisseur responsable dans, dans l'émergence d'une nouvelle thématique. Donc, là, en l'occurrence, en ce qui me concerne, la biodiversité. Quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet il y a à peu près dix ans, c'était un sujet qui était complètement nouveau. Euh, pour la sphère économique, alors pas pour la communauté scientifique, mais au niveau de, des entreprises et des investisseurs, à part quelques leaders, on était vraiment sur un sujet très émergent. Et très tôt, en 2014, la Caisse des dépôts a soutenu un projet d'innovation euh, via sa filiale CDC Biodiversité, donc pour développer euh, un outil d'empreinte biodiversité, donc qui était quelque chose de, de très nouveau à l'époque. Et, et ça, vraiment, ce, ce support à l'innovation, moi j'ai eu, la, eu la, du coup la, la chance de voir l'émergence, enfin la, la montée en puissance de cette, de cette thématique. Et elle a vraiment été possible grâce euh, à ce soutien à l'innovation qui a été fait. Euh, par la caisse des dépôts et par d'autres acteurs, acteurs financiers On l'a vu et on en parlait tout à l'heure avec Joël, euh, c'est une discipline nouvelle, c'est une discipline quand même compliquée quand on parle de biodiversité. C'est un sujet complexe. Un actionnaire, il n'est peut-être pas toujours bien équipé pour dire ça c'est bien, ça c'est moins bien. Tout à fait. Comme je pense que et je reprendrai le, le P de, de pédagogie et c'est aussi un des rôles d'un de, 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 investisseur responsable, c'est de pouvoir apporter par sa, sa, la qualité de son travail une forme de pédagogie euh, à l'ensemble des, des acteurs avec lesquels il, il interagit. Donc c'est vrai que le sujet de la, la biodiversité est complexe, euh, comme le sujet du climat euh, aura pu être, enfin on, on peut penser qu'il est aussi très complexe. Euh, et mais en fait si on arrive à débroussailler le sujet, donner des ordres de grandeur, donner des directions et donner des cadres, euh, les sujets peuvent être traités. Euh. Et d'ailleurs, sur le sujet de la biodiversité, on est beaucoup aidé par le climat qui a permis déjà d'inscrire un certain nombre de concepts. J'entends bien, mais les actionnaires doivent s'entourer de qui euh, Doivent faire venir des experts à leur côté, euh, dans, leurs dans les entreprises, pour dire ⁇ ça j'aime, ça j'aime moins ?⁇ je pense que ça peut être intéressant à un moment de faire intervenir certains experts oui. pour la monter en connaissance des équipes, mais c'est vraiment très important aussi que les entreprises comme les investisseurs se saisissent des sujets et qu'il y ait vraiment une vraie compétence en interne pour pouvoir suivre et participer à ces sujets, parce que L'expertise va être un instant T, mais après, il faut être capable de suivre un sujet qui est en fait extrêmement dynamique et qui nécessite un apprentissage constant. Oui, c'est ça, il y a toujours une remise en cause. Euh, J'ai l'impression que voilà, les préoccupations environnementales ont toujours un coup d'avance sur nos propres connaissances. Si on veut être toujours sur la... Point du sujet, il faut effectivement de l'anticipation et, et je reviens donc sur, sur le rôle de, de, de l'innovation, c'est-à-dire à la fois supporter l'innovation et euh, suivre l'innovation. Pour ça, il y a un certain nombre d'initiatives de place qui sont bien sûr euh, très très importantes. Et puis euh, après, quand on a la, la chance d'avoir euh, d'être dans un groupe qui peut se permettre d'investir sur le temps long, d'investir un, dans un une philosophie d'intérêt général, donc, ce qui a été le cas donc, sur, encore une fois sur le, le projet du Global Biodiversity Score, donc, chez, dans, dans le cadre de la filiale CDC Biodiversité. Euh, ça permet aussi d'avoir euh, un, un développement de long terme et une diffusion à un plus large public, donc, ce, qui est, ce qui démultiplie euh, l'effet de la de, 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 de l'innovation. je disais c'est une discipline nouvelle et tout ça prend du temps, tout ça prend de l'argent. Euh, voilà. pour une entreprise, c'est pas forcément simple. tout à fait. et là, il euh, y a un vrai défi aussi sur euh, à quelle entreprise, euh, on quel type d'entreprise on s'intéresse. c'est à dire que historiquement sur ces sujets-là, on a toujours tendance par commencer par engager les grandes entreprises, parce que c'est celles qui ont les équipes et les moyens pour euh, suivre ce genre de, de sujet complexe. Euh, mais ensuite, il y a vraiment un vrai, euh, un vrai challenge pour aller euh, s'adresser à des acteurs euh, de, de, de moyenne et de petite taille. Pour qu'ils puissent se saisir de ces sujets-là. Mais, Mais voilà, on voit que les dans choses leur... avancent aussi ouais. sur ces sur ces périmètres. Oui, c'est ce que nous disait tout de suite euh, Christophe. Voilà, sur certains sujets, il y a vraiment une adhésion totale. Euh, de l'autre, sur d'autres sujets, bah, peut-être un peu de méconnaissance. Euh, justement, vous avez l'impression que c'est dans le prisme de ces petites entreprises systématiquement ou. Une ETI, elle a besoin enfin une PME une ETI, voilà qui fabrique euh, j'en sais rien de la métallurgie bah, elle a besoin de conquérir des marchés à toute vitesse ils sont pas toujours euh, très très nombreux très bien équipés puis là on va leur parler de transformation environnementale c'est un, une difficulté supplémentaire pour elle non c'est une difficulté supplémentaire ouais. c'est aussi des sources d'opportunités ah, euh, et au niveau de la biodiversité, ce qui est intéressant, c'est qu'on on s'inscrit aussi dans une, dans une localité mmh. qui peut, euh, surtout sur des entreprises de, de petite et moyenne taille, parler beaucoup plus euh, à des acteurs vraiment très investis sur leur territoire et qui, qui voient qu'ils peuvent avoir aussi un, un impact positif euh, sur l'environnement qui les entoure. Ah oui, nécessairement. Et tout ça est vertueux, à la fois sur le territoire et puis en effet, pour attirer peut-être des collaborateurs, en effet des plus jeunes qui se disent, ben voilà, l'entreprise dans laquelle je vais travailler. C'est une entreprise qui fait du bien pour la planète. Ça aussi, c'est un argument que vous mettez en avant, qu'il faut mettre en avant. Ah, tout, tout à fait, oui. Enfin, les, les gens avec qui je travaille, qui sont euh, des gens donc plutôt euh, jeunes, hein, qui regardent ces, ces sujets-là, bon, il y a vraiment dans leur prise de décision de, de, de où est-ce qu'ils vont travailler, une vraie, euh, un vrai critère sur la qualité euh, du, du travail qu'ils vont être, euh, qu vont être capables de fournir dans la structure. Anaïg Antoine Miermont, donc responsable France aux Relations signataires, au PRI, les principes pour l'investissement responsable. Rappelez-nous ce que c'est, qu'est-ce que vous faites quand on parle de PRI Alors, je pense que beaucoup de monde dans la salle connaît déjà les PRI, mais je vais rappeler quand même qu'on a été créé par les Nations Unies et par un groupe d'investisseurs institutionnels dans la Caisse des dépôts à l'époque, en 2006, avec un objectif très peu ambitieux, n'est-ce pas, qui était de transformer le système financier et de le rendre plus durable. Voilà, donc c'était il y a une quinzaine d'années. On a désormais 5000 signataires de nos principes dans le monde entier. On en a 400 en France, dont 38 investisseurs institutionnels français. Et bien, on couvre quasiment tout le marché, et donc on accompagne en fait, les investisseurs dans leur stratégie d'investissement responsable en leur donnant des, en produisant des guides, des ressources pour voilà, les accompagner dans ce long chemin. Comment vous les accompagnez Quel est l'engagement justement de, de CPRI? Ces C'est quoi C'est s'assurer qu'il y a vraiment des des engagements réels sur la planète ou d'autres dossiers Alors déjà, ils doivent faire un, un reporting chaque année, le fameux reporting PRI, que, voilà, <laughs> qui est assez long à faire et qui, dans lequel en fait ils vont détailler leurs bonnes pratiques en matière d'investissement responsable. Et euh, si on revient sur le sujet de l'engagement actionnarial qui était celui de, de cette table ronde, nous, en fait, la façon dont on le conçoit au PRI, c'est euh, qu'on doit aller au-delà de la pure gestion des risques ESG. En fait, on doit faire de l'engagement, non pas que pour gérer les risques ESG, mais pour avoir des impacts concrets dans le monde, et notamment sur les enjeux systémiques, euh, c'est-à-dire bah, le changement climatique, la diversité. Et oui, en effet, euh, en 2023, je fais une petite aparté. Euh, <laughs> Mais dans un secteur aussi féminisé que l'investissement responsable, on doit pouvoir faire mieux qu'une une femme sur, sur un panel qui parle d'investissement responsable. Mais euh, je je osé expliquer pourquoi Fabienne n'a euh, pas pu venir. Euh, voilà, donc euh, très bien. Alors. Tout à fait. Voilà, c'est Juste voilà. la petite remarque. Franchement, pour participer régulièrement à des, mm. euh, à des tables rondes, des shows, de la, à la Caisse des dépôts, voilà. Oui, 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 la Caisse des, est des dépôts est plutôt. Je pense que c'est un élèves. mauvais procès que vous nous, qui, qui est fait. Voilà, je referme la parenthèse. <laughs> Allez-y. Donc, voilà, d'avoir un impact concret euh, sur ces grands enjeux systémiques. Et en tant qu'investisseur, en fait, c'est aussi de mobiliser tout le panel d'actions qui est à la disposition des investisseurs, c'est-à-dire effectivement le dialogue, notamment quand on est un gros investisseur comme la Caisse des dépôts, on a accès en fait en direct aux entreprises, mais c'est aussi toute la stratégie autour du vote, évidemment, donc la politique de vote qui soit transparente. Euh, pourquoi pas aller vers du dépôt de résolution aussi, même si on sait qu'en France, c'est très compliqué hein, de déposer des résolutions et euh, au PRI, on avait fait une feuille de route, d'ailleurs, pour la finance durable en France à destination des pouvoirs publics, dans laquelle on a demandé, effectivement, en tout cas, on a recommandé de simplifier euh, la loi pour permettre aux actionnaires de, de déposer des résolutions. Et d'ailleurs, j'ai vu aussi que la F2I avait soutenu euh, cette position-là avec un groupe d'investisseurs euh, en début d'année. Le euh, président elle envoyé, Hubert Rodin euh, voilà, sera avec, avec nous tout Hubert, à l'heure, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Donc la politique de vote aussi. Euh, et en fait, c'est toute une stratégie d'escalade qui doit être envisagée. Pourquoi pas aller jusqu'au désinvestissement quand c'est la seule solution ou quand, en tout cas, l'entreprise n'atteint pas les objectifs qui étaient fixés Encore faut-il que les objectifs soient aussi clairs euh, et que les investisseurs clarifient bien leurs attentes auprès des entreprises. Ça, je pense que c'est aussi fondamental. Et là, on voit aussi une pratique qui commence à émerger en ce moment, c'est le contentieux. Euh, là, il y a un groupe, enfin euh, il y a une ONG anglaise qui a porté, euh, qui, ouais, qui a déposé plainte en fait contre Shell pour un défaut de responsabilité des de administrateurs euh, par rapport à, leur, à la stratégie de transition climatique. Et cette ONG est soutenue par des investisseurs anglais, danois, euh, nordiques et français. Donc voilà, c'est toute une stratégie. Nous, on n'a pas forcément, on prêche pas une chapelle ou l'autre, mais on demande en tout cas aux investisseurs qu'ils réfléchissent à l'intégralité de ces, ces options. Je, juste un, un mot, je vous redonne la parole dans un instant, Anaïk. Jacques. Euh, Air Liquide, euh, c'est une menace qui plane justement des recours, des actions judiciaires, euh, peut-être systématiques, peut-être un petit peu gratuites, parfois je ne sais pas, d'ONG qui vont dire ⁇ Vous ne faites pas assez ?⁇ On, on l'a vu, puisqu'on est, on est passé par exemple d'un activisme salarial où c'était des fonds qui prenaient des positions de vente à découvert euh, ou qui prenaient des positions médias très dures à des euh, instants où, avec juste une action, voire pas d'action, une ONG faisait autant de bruit et avait autant d'impact, si ce n'est pas plus. Mais bon, je crois qu'il faut voir, faut regarder le, le verre à moitié plein. Ça, ça nous fait avancer. Donc, euh... Oui, on en, on en discutait tout à l'heure, et effectivement, enfin, pour avoir aussi été du côté émetteur, genre, en travaillant dans la RSE de grandes entreprises françaises, je sais à quel point c'était important quand on recevait des messages des investisseurs qui nous demandaient des comptes sur notre stratégie RSE commence à nous aider à faire avancer les sujets en interne enfin c'était le jour et la nuit évidemment donc après voilà il faut que ce soit constructif il faut que les attentes soient claires mais je pense que c'est donnant donnant et qu'en fait on peut le concevoir comme voilà, un dialogue constructif ce n'est pas euh, voilà, le conflit n'est pas une agression c'est un dialogue qui est nourri où chacun peut utiliser euh, toutes les armes à sa disposition. Racontez-nous ce que vous avez mis en place, justement, cet engagement collaboratif sur les engagements sociaux dans le domaine des mines. Ça, c'est une première. C'est parti d'où Comment vous avez construit ça et quels ont été les résultats, les premiers enseignements Alors ouais, effectivement, nous au PRI, on, on encourage aussi beaucoup le... Bah, le les engagements collaboratifs, parce qu'on pense qu'il euh, y a un problème de ressources pour faire de l'engagement chez les investisseurs, parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'expertise, et que tout le monde n'a pas ces ressources-là. Donc, le fait de mettre en commun, ça permet de pouvoir euh, avoir plus d'influence auprès des, des entreprises. Et donc, là, effectivement, on vient de lancer un engagement collaboratif qui s'appelle Advance, et euh, qui va aller interroger euh, les grandes entreprises du secteur euh, métaux, mines et énergies renouvelables sur la façon dont ces entreprises respectent euh, les droits humains. Donc, toute leur chaîne de valeur, notamment aussi autour du travail décent. Donc, on vient juste de lancer l'initiative. Euh, la nouveauté, peut-être par rapport à d'autres initiatives comme Climate Action, One Android Plus, par exemple, c'est que là, on va publier la liste des investisseurs et des entreprises avec lesquelles ils engagent. Donc, ça c'est aussi une, un pas de transparence qui sert aussi en fait les émetteurs pour bien comprendre en fait euh, voilà ce qui se passe donc c'est un premier pas aussi de bonne pratique en matière de transparence on va juste de, débuter les dialogues mais en tout cas on a vu un gros euh, un bel engouement en tout cas de la part des investisseurs euh, membres des PRI pour rejoindre l'initiative on a déjà voilà enfin euh, tout, toutes les positions sont maintenant complètes donc on va pouvoir débuter avec euh, des bons groupes euh, experts vous, vous, vous évoquez la, la question des ressources allouées à, à l'engagement euh, au dialogue, euh, à l'engagement général, ça serait quoi le bon pourcentage du chiffre d'affaires qui pourrait être alloué euh, je, je, vous y avez travaillé ou pas On vient juste de lancer une étude assez technique, effectivement, qui même quasiment de la recherche académique en fait, et qui vise à, à, à démontrer ou en tout cas à, à chercher quel est effectivement le pourcentage de ressources qu'il faut allouer à l'engagement quand on est un investisseur. Donc on va travailler avec des consultants qui vont dialoguer, interroger un petit peu beaucoup d'investisseurs qui sont voilà les meilleurs les plus avancés sur le marché. Et on va publier un rapport en juillet là-dessus. Donc je ne sais pas si on va vraiment trouver euh, la formule magique, mais en tout cas, on cherche. Et euh, voilà. En tout cas, ça montre qu'il euh, faut allouer des ressources à l'engagement actionnarial et de plus en plus, ça va être indispensable. Christophe, justement, vous qui accompagnez au travers du fonds Turenne des entreprises plus petites, plus modestes que par exemple Air Liquide, euh, bien sûr, quelles recommandations vous feriez justement sur ce terrain du pourcentage alloué à l'engagement le, le, le sujet, euh, nous, c'est ce que je vous ai dit, euh, nous, dans notre société de gestion, euh, c'est là où on recrute aujourd'hui, hein, c'est déjà donc, dans les équipes pour accompagner les dirigeants, euh, parce que c'est là le sujet, il faut accompagner les dirigeants dans euh, ces sujets de transformation. Donc nous, on a créé une cellule chez nous qui s'appelle Turin Expert et qui rassemble tous les experts sur les différentes problématiques ESG, parce que c'est une matière qui est nouvelle, et donc, euh, donc quel pourcentage il faut allouer, nous, dans nos effectifs, c'est... Deux, trois personnes, au-delà d'une de personne par pôle d'équipe d'investissement. C'est d'abord les investisseurs qui sont en contact des, des dirigeants. Et on mobilise des experts, parce qu'aujourd'hui, c'est des métiers nouveaux, que ce soit les sujets biodiversité, enfin tout ce qui a été dit, pour les mettre au service des dirigeants de nos entreprises, pour les aider à se transformer, parce qu'on est des accélérateurs de transformation des PME. Donc euh, oui, c'est quelque chose, on n'est qu'au début de l'histoire, de l'accompagnement. C'est un parcours du combattant, Joël, ou pas alors euh, oui, parce qu'aujourd'hui, il y a une rareté des ressources euh, extraordinaires euh, dans mmh. ce domaine-là. C'est-à-dire que tout le monde s'arrache les experts, ah. parce que les entreprises s'équipent, mmh. les institutionnels s'équipent, les asset managers s'équipent, les reste, consultants s'équipent, les coin. régulateurs s'équipent, et euh, alors certes les formations se développent, mais pas à la hauteur pour le moment euh, de la traction euh, du marché de l'emploi. Après, c'est vrai que... Ce qu'on constate aussi, c'est que c'est un métier qui permet d'attirer des personnes qui faisaient autre chose avant. Antoine, tu en es la bonne illustration. Euh, et donc euh, ça peut être aussi un métier de, de, de reconversion positive euh, euh, tout à fait intéressant. Un, un mot à Antoine, et puis je passerai à vos questions, elles sont très nombreuses, on va remettre le QR code. Merci en tout cas. Allez, Anaïg, s'il vous plaît. Sur, sur la question justement de s'entourer des bons experts à condition qu'il y ait des experts Alors oui, c'est un marché très tendu. Le L'ESG, quand j'ai commencé ma carrière, il y a une douzaine d'années, on n'était pas très, très nombreux à se lancer là-dedans. Et on voit qu'effectivement, 12 ans après, on a toujours un peu les mêmes personnes, mais qui tournent <laughs> de maison en maison. Les meilleurs. Et oui, au PRI aussi, c'est un sujet. On a, on a recruté 100 personnes, 150 personnes ces dernières années. Antoine, Antoine Vallier Ouais, alors la bonne nouvelle, c'est qu'on voit quand même arriver beaucoup, beaucoup de jeunes très motivés sur le marché et qui, qui apprennent très vite. Donc je pense qu'on va vite enfin, être de plus en plus équipés pour répondre à cette, à cette demande. Et des formations, Jacques. Aussi. Et des formations oui. aussi qui se mettent beaucoup plus sur ce créneau de façon plus explicite. Et ça, c'est bien pour demain. Quoi. Question euh, de la salle, donc. Alors, euh, je les prends au fil du lot. Hein, au fil de l'eau. Hein, évidemment, euh, j'écoutais beaucoup euh, nos amis, donc je ne pouvais pas être à la fois sur le téléphone et euh, ici sur scène. Alors, euh, Ladislas qui nous dit, dans le monde côté, est-ce que vous avez des exemples d'engagement réussi dépassant une simple amélioration de la transparence Christophe, vous voulez répondre Dans le, dans le monde côté, est-ce ouais. que vous avez des exemples d'engagement réussi côté qui dépassent. Pas, non, c'est pas vous. Non, pardon. Oui, oui c'est de nos côté, pardon, mais je crois que d'engagement réussi. Ouais. Euh, donc oui, oui, plein. Ouais. Euh, je pense que une des demandes d'investisseurs, c'était par exemple la, la dissociation des fonctions du PDG. On l'a fait. On l'a fait. On a, on a maintenant un chairman non opérationnel. Et, c'était une demande forte euh, mais on, on doit prouver des exemples on doit trouver des exemples comme ça euh, sur les différents euh, sur les différents thèmes. Hein. Joël le à la caisse des dépôts. Oui, bah, typiquement pour aller dans le sens de ce, de ce que Christophe a indiqué, un plan d'actionnariat qui n'est pas limité au seul cadre dirigeant, mais qui s'étend à l'ensemble du personnel. Ça, c'est quelque chose que nous avons porté dans une entreprise. Nous avons eu le plaisir de voir que l'année d'après, euh, les choses avaient évolué dans ce sens-là. Et puis, euh, par exemple, sur le sujet climatique, le fait de changer de stratégie pour mettre un accent tout à fait particulier sur les énergies renouvelables, c'est quelque chose que nous demandions. Et alors, est-ce que nous sommes. C'est la difficulté, et c'est parfois ce, le reproche qu'on fait à la politique d'engagement. On dit oui, mais qui c'est qui, qui, qui est derrière Est-ce que ce sont les investisseurs Est-ce que c'est le conseil d'administration Est-ce que c'est le dirigeant de l'entreprise Un peu tout le monde, forcément. Mais si on est tous à pousser dans le même sens. Eh bien, c'est collectivement qu'on peut se féliciter qu quand les choses avancent. Monter. Voilà. Anaïg. En fait, c'est vrai que c'est toujours difficile de savoir euh, est-ce que c'est l'engagement qui a fait changer l'entreprise. En fait, il y a toujours le multifactoriel. ce multi que je posais tout à l'heure à Jacques Mais bien sûr. en préparant cette conférence, j'ai trouvé aussi euh, ben, Air Liquide a été engagé dans le cadre de Climate Action mon Android Place par une coalition d'investisseurs. Et en fait, cette coalition d'investisseurs a publié une vidéo en euh, bah, félicitant Air Liquide pour les progrès qu'ils avaient faits en matière de reporting, de détails de leurs objectifs, etc. Donc euh, voilà, ça peut aussi se faire euh, de cette manière-là, en félicitant aussi les, les avancées. Ouais, je pense que le mot c'est constructif. Quoi. Ça, ça a commencé par de la critique et puis ça, ça, nous a fait, ça nous a fait évoluer. Donc je pense que c'est la bonne méthode. Bon, Christophe, je me suis trompé tout à l'heure en me tournant vers vous, mais cette fois je ne me trompe pas. Désolé. Euh, les PME sont-elles suffisamment équipées pour répondre aux demandes extra-financières des investisseurs versus les grands groupes cotés et de leurs équipes RSE Non. Bon, bah, comme ça c'est rapide. La réponse c est... C est non. Non, bon. non, mais c'est un vrai sujet. Non, mais ah, bien sûr. Voyez, et, pour, donc, et, pour, et, et pourquoi justement ben parce que c'est nouveau, euh, parce que les dirigeants, même s'ils ont conscience euh, que c'est des sujets qui doivent prendre à bras le corps, ils sont pris au dépourvu. Je pense notamment aux sujets environnementaux. Et c'est dans ce sens-là où nous, on les aide euh, pour les mettre en œuvre un écosystème dédié pour accompagner dans les territoires. Euh, c'est une fonction, le SG, moi, je vois, on est présent un peu partout, qui reste quand même très parisienne. Bon. Et il y a quand même aussi un problème d'adéquation dans les discours et les modes d'accompagnement entre des consultants... Qui sont plutôt spécialisés pour les grandes structures cotées ou les grosses ETI et qui n'ont pas la mise à disposition de savoir-faire dédié à l'accompagnement de PME où on a un dirigeant chef d'orchestre, donc l'ESG dans la PME, c'est lui. Il n'a pas, entre guillemets, un middle management, un cadrement à ses côtés avec une personne dédiée. Et il y a encore un problème d'adéquation euh, avec un jeune consultant qui sait travailler avec des équipes dédiées dans des grandes sociétés, ouais, de ouais. pouvoir basculer dans l'approche directe avec un dirigeant de PME. Donc Et bien souvent, on fait l'interface nous, ouais. en tant que actionnaire du, à côté du dirigeant de PME, ouais. pour mettre en place le bon dispositif. Ouais, Mais les CD sont pas, pas encore bien équipés. Dans non. une PME en région, euh, dans la Meuse, dans les Landes, tout ça, s'il y a un consultant qui arrive de Paris qui dit, bah voilà, je vais vous expliquer comment faire. Il va pas bah, fonctionner le dirigeant qui vient démarrer euh, ouais. euh, un nouveau job dans une boîte en pleine croissance et qui a six mois d'expérience et qui vient expliquer ah. euh, le, comment il va faire un bilan carbone aux dirigeants dans la Meuse, une fois sur deux, ça ne se passe pas bien. Ouais. Ouais. Dommage. Euh, Joël. Oui, je voulais juste te dire que nous, nous investissons dans euh, les sociétés non cotées au travers de fonds. Et euh, comme le disait Christophe, c'est justement un des intérêts des fonds, c'est d'avoir un spécialiste oui. qui est partagé, parce que la PME ne peut pas se payer bien le spécialiste bien climat. Bien Par contre, vous, vous pouvez en avoir un que vous partagez avec l'ensemble des, des, des sociétés dans votre portefeuille. Oui. Et ça, c'est un plus évident et c'est une bonne utilisation des frais de gestion du private equity. Est-ce qu'on a un bilan des résolutions Saine on Climate Est-ce que ça a permis un changement culturel des conseils d'administration des sociétés Allez, Joël Proin. Alors, les 7 climates, l'an Je... dernier, nous en avons examiné euh, 20 de façon très approfondie, avec chaque fois une étude euh, détaillée pour voir en quoi ils étaient en adéquation avec la politique climat euh, du, de la Caisse des dépôts. Et euh, nous n'avons nous nous pas approuvé beaucoup. Euh, mais chaque fois, ça a été l'occasion d'un dialogue nourri avec l'entreprise pour lui expliquer... Pourquoi nous avions voté contre Parce que là, vraiment, c'était un sayon climate, mais c'était un peu court. Pourquoi nous nous abstenions dans, Ça va dans le bon sens, mais il y a encore ces éléments-là. Hein Ou pourquoi nous pouvions voter pour Et donc, c'est vrai que nous n'avons voté pour que pour une fraction très modérée de ces sayon climate, parce que nous avons une politique climat très exigeante, mais ça, ça permet quand même d'avancer. Juste quand même un point sur les sayon climate c'est que. Euh, je suis très favorable, et tu l'évoquais Anaïg tout à l'heure, avec le fait qu'il faille avancer sur cette politique de Seoul Climate. De notre côté, on ne peut pas toujours redéfinir sa politique climat chaque année, parce qu'on voit bien que ce sont des cycles longs. Et donc, moi, je préfère que tous les trois ans, il y ait un Seoul Climate qui fasse vraiment une bonne avancée, plutôt que de chaque année remettre un peu la même chose. Oh Annaïque, ouais, euh, Antoine Miermont, encore une, une question. puis allez, on, Oui, en on fait, le, le sujet autour du climat qu'on voit notamment via l'initiative Climate Action dans place, c'est qu'il n'y a que 10% des entreprises qui ont été interrogées, donc sur les 170 entreprises, qui se sont fixées des objectifs ambitieux à court terme en matière climatique. Donc en fait, je pense que c'est ça aussi un des sujets du Sayon Climate, c'est. Est-ce que les entreprises ont vraiment fixé les objectifs à court terme Parce qu'en fait, à long terme, c'est assez facile, puisqu'en fait, il n'y a plus personne qui sera là pour vérifier qu'on a bien atteint les objectifs, donc on peut s'engager. En revanche, à court terme, c'est ça le sujet qu'il va falloir vraiment adresser dans les années à venir. Oui. Dernière question, je crois que ce sera pour vous, Jean-François. Euh, Joël, une question de Jean-François qui nous dit « L'investissement durable, c'est un marathon ou un sprint On comprend l'urgence, mais sur des sujets qui ont besoin de temps, comment la CDC gère-t-elle ce paradoxe ?» Alors, c'est définitivement plus une course à long terme qu'un sprint, mais euh, nous essayons aussi de sprinter pour euh, faire que les choses n'attendent pas, comme le disait Anaïg, et ça va tout à fait dans la ligne de ce que tu viens de dire, euh, qu'on n'attende pas 2035 pour euh, s'apercevoir que finalement, il bah, y a euh, une falaise que jamais nous arriverons à franchir. Donc, euh, donc euh, il faut des engagements réguliers. Après, nous pouvons comprendre que ça prenne du temps. Typiquement, dans le cadre de la NET 0 à 7 Honor Alliance, nous avions un engagement 2020-2025 et nous avons pris un engagement chiffré 2020-2030. Parce que les processus industriels, et Jacques pourrait développer ça à l'envie, prennent du temps à être adaptés. Donc c'est vrai, mais les décisions doivent être prises aujourd'hui. Et dans ce cadre-là, c'est un sprint. Merci, merci à tous les cinq. On applaudit très très fort. Joël prend un. Jacques Molgaud, Antoine Vallier, Christophe Deldic et Anaïg, Antoine Miermont.